Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle partie de Hyrule Warriors. Et aujourd'hui nous allons récupérer le quart de cœur et le réceptacle de cœur de Zelda et Lana. Mais on va jouer avec Link. Alors, donc, du coup on a débloqué la grande fée. Et apparemment ça a l'air assez épique d'après ce que t'avais l'air de me dire. Je ne connais pas du tout comment se joue ce nouveau perso... Enfin, pas ce nouveau personnage. Cette nouvelle arme. Moi je vais prendre Zelda, hein. Alors bon, l'arme conseillée, je vais quand même garder l'arme conseillée parce que je l'ai niveau 2 en plus. Elle est... Mais non, je l'ai pas niveau 2. Mais si, je l'ai niveau 2. Ouais, tu l'as niveau 2, c'est la baguette sacrée. Oh, on s'est téléporté. Pardonnez-moi de ne vous avoir rien dit. Mais pour tromper l'ennemi, je devais garder mon identité secrète. Link, tu as été exceptionnel. Ouais, je sais. Dès que je t'ai vu, j'ai ressenti quelque chose de spécial en toi. Merci. Regarde, Link est content. Ah, Sia... pardon, Lana, elle est jalouse. Maintenant que les portes des âmes sont fermées, l'espace-temps semble un peu plus stable. À présent... Dis donc, tu n'as pas quelque chose à nous dire avant? Si, je vous ai dit que j'étais une sorcière du même clan que Sia, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Sia et moi n'étions à l'origine qu'une seule et même personne. Quoi? Une seule? Quelqu'un a chassé le bien du cœur de Sia pour pouvoir la manipuler. Je suis cette moitié qui a été chassée. Et celui qui m'a chassée... C'est Ganondorf. Ah, non, on a le droit à une belle cinématique. Oh, ah non, même pas. Tu ne mets plus d'aucune utilité. Ah, il suffit, j'ai déjà récupéré 3 fragments de mon âme. Même si elle n'est pas encore complète, je peux déjà me matérialiser. Tu es... Sia, tu as bien travaillé pour moi jusqu'à présent. Comment? Insinuerais-tu que tu me manipulais? Peu importe, tout cela est terminé, je vais briser la dernière barrière moi-même. Mais ce corps manque de puissance. La forme toute puissante créée par les dieux, avec elle je pourrais briser la dernière barrière et conquérir ce monde. La Triforce, elle est à moi! Purée, elle se fait shooter dedans, c'est un truc de fou. Misérable! Les Triforces du courage et de la sagesse se sont envolées au loin. La Triforce tout entière sera à moi! Ainsi que le héros. Pauvre Ganon. Il avait bien l'avantage et tout. Il s'est fait avoir. Il a shooté dans Sia et tout et... Et finalement, maintenant que les portes des âmes étaient fermées dans toutes les airs, Link et ses compagnons s'étaient retrouvés. Ils ont même emmené les gens des autres. Bah ouais, viens, mille dollars, on t'emmène avec nous. Pendant ce temps, Ganondorf avait récupéré 3 de ses 4 fragments d'âmes. Il décida de quitter le corps de Sia qui ne lui était plus d'aucune utilité. Libéré de l'emprise de Ganondorf, mais tragiquement corrompu, Sia était plus résolu que jamais à faire sien Link et la Triforce. Son armée renforcée par de puissants rituels redoubla ses attaques sur Hyrule. Mais tout n'était pas perdu. Link allait chercher la Master Sword. Zelda conduisit son armée vers le temple de l'épée sacrée à la recherche de la seule chose qui pourrait tous les sauver. La Master Sword! Alors c'est parti. Je vais voir apparemment quelque chose de terrible, c'est ça? Oui. Ah bah ça va. Et où ton bouclier, Link? Vous avez récupéré vos parties de la Triforce? Oui, elles sont en Link et moi. Yes. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Sia doit être affaiblie. Bah, elle s'est fait shooter dedans, quoi. Si nous voulons contre-attaquer, c'est le moment ou jamais. Sia possède toujours la Triforce de la Force. Ce ne sera pas si facile. Mais nous ne pouvons pas gagner si nous n'avons pas l'épée de légende. Link a hérité du destin du héros. Il devrait pouvoir retirer l'épée de légende de son sac. Socle. De son sac. De son sac. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais l'épée de légende est un talisman. Elle maintient la barrière qui scelle le mal. Si on la retire, l'âme maléfique qui a jadis été scellée ne s'éveillera-t-elle pas?
La barrière dressée dans le temple de l'épée sacrée a été créée à l'aide d'une magie spéciale. Même si on la retire, l'épée de légende, elle ne se brisera pas si facilement. Mais qui nous dit que Link aura la force de retirer l'épée de légende? Tu veux me défier, Impa? J'ai foi en Link. Bah ouais. Oui, moi aussi! Wow. C'est peut-être une bonne occasion de voir si Link est un véritable héros. Mais oui, quand il apparaît, c'est écrit héros Link. En attendant, il a fait plus de kills que toi, Impa. Bien, alors, hein. En route pour le temple sacré. Tu vois, Link, il a abandonné son bouclier. Quoi? Et regardez, mais, il y a une grande fée. Mais oh mon dieu, mais t'es minuscule. L'épée de légende est par ici. Unissons nos forces pour nous en emparer. Oh mon dieu. Je comprends pas ce qu'il y a. Je vais t'écraser. Non, tu m'écraseras pas. On va chercher l'épée, d'accord? Je te montre c'est où. Comment ça, je connais pas? Où les trois statues? Moi, je jette des bombes, attention, hein. Je jette des bombes, bah, sans... C'est fermé, donc je suppose qu'il faut faire le tour. Oh mais mon dieu, on joue la fée moche. Attends, il y a des bombes. Enfin, il y a pas des bombes. Lana est à la recherche d'une statue, c'est bien. Ouais, je trouvais un coffre avec une arme dedans. Ouais, il y a des méchants où? Si les portes ne s'ouvrent pas, on ne pourra pas entrer. Est-ce que c'est une statue, ça? Ah mais c'est terrible. Ah mais du qu'est-ce que c'est que ça? C'est des méchants, il faut les tuer. Visiblement. Ouais, ouais. C'est... J'aime bien cette arme parce que Zelda, elle vole quand elle court, c'est trop mignon. Oh mon dieu. Oh mon dieu. T'aimes pas jouer la grande fée? Que c'est que ça? Mais je suis curieuse de voir qu'est-ce que c'est la grande fée niveau 2 et niveau 3. Est-ce que la fée va changer ou est-ce que ce sera juste une autre couleur? Ouais, j'ai bien envie de voir. Ça va être la fée de comment elle s'appelle? Bon, la fée de Twilight Princess et la fée de The Wind Waker. Voilà, c'est... Mais la fée de The Wind Waker, c'est faille. Mais non, ouais, bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Non, mais non, il y a... Ah oui, c'est la grande fée. Oh, non, c'est c'est la reine des fées. Moi je peux faire pop des bombes, ça me va très bien. Moi j'aime bien la grande fée, elle fait pop des bombes. Attends, c'est écrit qu'il faut du feu et... Ah non, c'est le médaillon du feu et le médaillon de l'eau. D'accord. Mais alors est-ce que ça veut dire que Ruto et Darunia doivent venir ici ou est-ce que c'est juste pour faire joli? C'est la statue du feu et de l'eau. Ah, je fais des Demon Fang. Ok, donc en fait, moi faut que je trouve le pouvoir de la foudre, je suppose. Bon, peu importe, hein, ils se débrouilleront, moi je peux pas... On joue au tennis. Alors qu'est-ce que ça te fait d'être enfermé dans une bouteille? C'est terrible, mais j'ai joué... Tu subis ce que tu as fait subir à toutes les fées de ta vie, dans ta vie. Non, c'est pas vrai. Je subis pire parce qu'ils me font sortir pour jouer au football. Enfin, pas au football, c'est toi qui joues au football, pardon. Ils me font jouer... Ah ouais, je te vois, là. Regarde, on peut faire des Demon... Elle fait des Demon Fang. Et elle me vise, hein, pour dire, mais... Oh, des cœurs en or. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est pour redonner toute la vie, je suppose. Ah oui, ça donne aussi la joue de coup fatal. Tiens, le coup fatal, tiens, c'est quoi? Mais non! Quoi, t'aimes pas jeter la lune? Mais je suis un peu triste là! J'ai pas fait tout ça pour rien! Où est-ce que vous allez, Lou? Où est-ce que vous allez là, les méchants? Vous allez où, les méchants? Un invocateur? Ah, ok, vous allez voir les invocateurs. Invocation. Et là, c'est la statue de qui? C'est la statue du papillon et de Midona. Oui, d'accord, donc ça dépend vraiment des personnages. Donc peut-être qu'il y a une statue Zelda et une statue Link. Bonjour Zelda! Salut! Pourquoi tu danses? Parce que je suis chef d'orchestre. Bon, par contre, je t'avouerai que c'est assez marrant comme truc, mais je sais pas. Est-ce que je peux vraiment me faire toucher par les monstres? Bah oui. Je vole. Attends, c'est la grande fée en personne qui joue avec nous, quoi. Et qu'est-ce qui va se passer quand on invoquera la grande fée? Mais il y a plusieurs grandes fées. Impa a activé un statut du sceau. Bon, pour tout avouer, je sais absolument pas ce que je suis censé faire, donc je me balade. Bah, en fait, on doit trouver les statues pour dire aux gens de les activer. D'accord, ok. Donc c'est toi qui fais tout, quoi. Bah, j'en ai trouvé deux et Impa, elle en a trouvé une toute seule. Impa ne doit pas s'enfuir, je veux bien, mais... Ouais, je dois aller ah, là. Bah, tiens, encore moi. Bonjour, autre moi. Ouais, ça se trouve, c'était toi hein, qu'on voyait danser. Bon, faudrait que j'aille aider les gens parce que... Bah attends, j'y vais là, je suis à côté, de toute façon... Mais bloque le passage, je peux pas avancer, est-ce qu'on peut m'aider? Mais oui, j'arrive. Ah du coup on a l'impression que la grande fée est lente parce qu'elle est énorme. Mais en fait elle se déplace exactement à la même vitesse. Mais en fait ça doit être le même principe, ça doit être le même problème que quand il s'appelle Darunia, là où j'avais l'impression qu'il était lent mais en fait il était pas lent. Attends, il y a... Ah non, c'est Lana, j'allais dire, j'ai cru voir Link, mais non, c'est pas Link.
Moi, Link, hein. Oui, je t'inquiète sais. Pas, je suis enfermé dans une bouteille. Je suis pas vraiment. Alors, Lana et Zelda se disputent Link, mais en fait, c'est la grande fée qui a gagné. Allez, on va faire une tornade! Mais c'est Zelda qui gagnera parce qu'elle est plus mignonne. C'est parce que c'est l'amie d'enfance de Link. Oui, ça va être difficile là pour faire pop la sculpture. J'ai vraiment l'impression que par contre la sculpture là pop, peu importe la mission, toujours à 1000 KO. Hein. Oui, là j'en ai fait à peine 100, mais t'en as fait déjà plus de 300. Je sais pas comment je les touche les gens, hein, parce que bon, j'ai pas l'impression de les toucher, mais ils meurent, je sais pas pourquoi. Enfin, tant mieux qu'ils meurent. Hein. C'est le but visiblement. Faudrait trouver les coffres des demoiselles aussi. Enfin, faudrait surtout voir si le coffre de Lana c'est dans un fort ou pas. Oui, puisqu'il y en a un qui est caché dans un. En général, c'est le grand cœur qui est caché dans un rocher, j'ai l'impression. Enfin, ouais, ça a toujours aussi, été le cas. Et vu aussi. Que là, le grand cœur c'est le mien. Ouais, je me suis fait toucher par qui là? Ça se fait pas. Donc je suppose Allez, que je vais plutôt me concentrer sur les obstacles. Allez, hop, on danse. Ouais, j'ai fait 400 KO. Et voilà. Et de deux statues. Je sais pas combien il y a de statues, j'ose espérer qu'il y en a 3. Bah il y en a déjà 3 qui ont été activés, non? Non, 2. Bah, je sais pas, il y avait pas parlé d'Impa à un moment. Oui, mais faisons Impa. Pop des mais machins. Il y a Agita et Midona qui doivent activer leur statue. Je joue à Guitar Hero. Bah moi je joue à piétinons des gens. Ah, ils sont vraiment casse-pieds, j'ai besoin d'un coup de main. D'accord, arrive. Ah, c'est dommage que du coup, j'ai pas regardé si j'avais d'autres combos. Enfin, on en a pas activé surtout. Enfin, on n'a pas fait de badge, voilà, plutôt, voilà. C'est plus clair. Des badges pour qui? Bah, pour la grande fée. Mais la grande fée, c'est pas un personnage. Oui, mais ils ont quand même des badges. Enfin, l'arme a quand même des badges. Ah oui, parce que là, du coup, t'as pas beaucoup de combos. Ouais. J'ai pas grand chose quoi, j'ai une attaque avec des bombes, j'ai une attaque avec des Demon Fang et j'ai ensuite une attaque avec je sais plus quoi. Ah oui, on joue au tennis. Comme avec Ganondorf. Bon. Pourquoi ils restent là-haut les messieurs? Bon, les Et sinon bah pour la grande fée, puisqu'on nous demande souvent comment on a telle ou telle arme, c'est pareil, c'est dans le mode aventure. Il faut faire la mission pour récupérer la baguette niveau 2 de Zelda. Et avoir un rang A en plus. Bah, de toute façon, pour avoir la baguette, il faut un rang A obligatoirement. Ah bah j'ai trouvé une autre. Bah non, c'est la statue de Midona. J'ai trouvé un coffre. Bref, j'ai du pas coup, trouvé un coffre, pardon, j'ai trouvé un rocher, excuse-moi. Une fois qu'on a ah, fait. J'ai... Bah voilà, il est là. Voilà, ton coffre il est là. Il était pas difficile à trouver. Puis comme d'habitude, vu que c'est le tien, bah je l'ai fait facilement. Hein. Donc je disais, oui, une fois qu'on a eu la baguette niveau 2, il y a une mission qui se débloque et c'est la mission pour avoir la grande fée. Ah mais c'était un fort ça en fait. Ah mais je savais pas. Bon, on a mis l'ennemi à. Ah mais non, à on a pas. Non, c'est pas un fort ennemi. Enfin, on peut pas le capturer ce fort. Oui, on peut pas le capturer, ok. Ouais, bon, il faut quand même tuer 1000 gens, c'est vrai, c'est pas facile. Enfin, je sais pas pourquoi je dis c'est pas. Enfin, moi j'ai l'impression de dire c'est pas facile parce que je suis tellement grand que je vois rien en fait. Enfin, pourtant, que je t'as beaucoup de KO, hein, t'inquiète pas. Ouais, je sais que j'en ai plein, mais. C'est moi qui ai l'impression de faire aucun dégât avec ma baguette des vents. Ah, c'est bon, elles ont activé la statue suivante. Midona a activé la statue du saut, blablabla. Bravo Midona, grâce à toi, t'auras des bonbons. On dirait que ça a marché, je vais rester ici en attendant la suite des événements. Bah moi je vais chercher mon coffre. Bombe. Ah elle est trop bien cette attaque quand même. Bah, c'est dommage qu'après elle atterrisse. T'as l'air d'avoir trouvé dans le coin. C'est là où t'es. Ah c'est bon, trouvé. Bon bah ça veut dire qu'il faudra libérer un fort pour Lana. On verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Réceptacle. Voilà, maintenant t'as plein de cœurs. Surtout qu'en plus c'est Zelda qui en a le moins de tous nos personnages. Regardez, je vole, c'est trop bien. Même si en fait les gens ils vont dire qu'on voit pas l'écran de la L, c'est tout flou. Bah oui, bah désolé, notre caméra elle est nulle. C'est pas grave, moi aussi je vole, mais en plus moi j'ai des feux autour de moi. Ok, hop, y a plein de gens qui sont apparus d'un seul coup. Waouh, plein de forts je suppose. Ah, y a des gardiens. En même temps, ils vont pas nous laisser prendre l'épée, hein. Mais alors du coup, si on détruit tous les gardiens. Il y aura plus rien pour garder le truc de Ganon. Nous on est en train de détruire, on est en train de tuer notre propre sort. Je voudrais pas dire, mais Lana, hein, elle disait un truc, mais je sais pas si ça va vraiment marcher. Nous on est bêtes. J'aime bien le coup fatal de Zelda avec la baguette, ça fait une grosse tornade qui détruit tout. Et j'aimerais bien voir c'est quoi le truc magique de la grande fée.
Bon, du coup, je veux quand même tuer tout le monde. Allez, vas-y, grande fée. En plus, apparemment, t'es d'élément eau. Oui, bon, je vois pas trop en quoi des bombes, c'est de l'eau, mais bon... Ou du tennis, c'est de l'eau, mais c'est pas grave. Et Darunia, tu sais que tu peux m'aider, hein. Au lieu de regarder. Yo, même ça, on dirait plus de la lumière que de l'eau, hein. En même temps, la grande fée, c'est parce qu'elle vit dans l'eau qu'ils disent qu'elle est de type eau. Oui, je sais, tu vas encore me gronder parce que j'ai dit type au lieu d'élément. Mais mon esprit est corrompu par Pokémon, désolé. Fallait jouer à des vrais jeux vidéo. Oh purée, il y a du peuple là, hein. Y a du peuple. Allez, hop. Bon, les bombes. Il y a carrément des forts qui ont été pris par les... Mais ils sont pas pris en fait, ils sont juste énormément dans les forts du coup. Mais je sais pas là si c'est pas pris. On va voir. Ah oui, non, d'accord. Oui, ils sont vraiment pas pris. Vous êtes là mais pas vraiment en fait. Bon, ah, une sculpture là, voilà. Ah bah non, c'est pas à moi de l'aller la chercher. T'as déjà fait autant de chaos que ça? J'en ai fait 627. Je suis passé à 400. Toi, tu dois avoir à 400, c'est bon. On n'a pas fait tant, enfin voilà. On n'a pas fait si peu que ça, voilà, c'est mieux. Allez, grande fée, tu peux y arriver, allez. Par contre, je trouve que la couleur de la caméra aujourd'hui, effectivement, elle est très blanche. Je sais pas si ça sera amélioré. On a oublié de changer? Non, je l'ai bien changé. Regardez, Zelda, elle est toute blanche, trop de luminosité dans le gamepad! D'ailleurs, mon autre moi est là. Alors, la musique, tu te coupes quand? Jamais? Attends, quoi? Lana, elle vient de devenir méchante! Vous m'agacez, en garde! Ah! Oui, non, désolé, mais je suis pas d'accord, moi. Non, mais... Il est où, là? Sculpture, là? Éliminer Lana pour l'interrogation. Bah, d'abord on cherche une sculpture là, d'accord? Oh là. Du coup, toi t'es parti. C'est ça? Non, ça c'est un coffre. Enfin, c'est un coffre, c'est un pot quoi. D'ailleurs, je serais curieuse de voir la grande fée comment elle utilise les armes aussi. Ah, elle est là, ok. Bah, si tu veux voir, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, elle le fait pop comme ça. D'accord. Ah non, ça va. Ah, le grappin le tient quand même dans les mains. Mais les bombes, ils sortent comme ça. Allez hop, on les fait sortir, là c'est bien. Allez hop. Bah, c'est la grande fée, elle est magique. Non, ça va, le grappin, elle a quand même été crédible. Elle a voulu quand même le faire faire semblant. Excusez-moi, j'ai été de mauvaise langue. Allez, on va faire un peu de tennis. On va tuer l'invocateur, je sais pas à quoi il sert. Allez Lana, un petit coup de tornade. Bon, j'arrive, tuer Lana. Bon bah c'est bon, elle est morte. Est-ce que tu vas me donner une barrette de Lana, s'il te plaît? Vous avez vaincu l'ennemi qui manipulait l'armée. Évidemment, il n'est pas aisé de vous berner, mais je ne compte pas abandonner. C'est encore ICO? Ou alors c'est Sia? Bon, j'ai eu une arme. L'armée des gardiens est libérée de son emprise! Est-ce que du coup, ils vont devenir gentils? Que n'est-il arrivé? Bah non, il y a encore des méchants, là. Bon, je sais pas... Mais non, ils sont considérés bien comme méchants, mais bon, je sens que mes forces se concentrent dans la statue. Je crois qu'elle va bientôt se réveiller. Allez, vas-y, Midona, tu peux le faire. Ouais, Midona. C'était pas toujours Midona, hein. Bah, c'est elle qui l'a dit. Ouais, on va pouvoir entrer dans la maison. Mon attaque a continué, c'est bien, ça. J'aurais bien voulu avoir de la magie, mais visiblement, c'est pas pour aujourd'hui. Grande fée, où est-ce que tu vas? C'est pas par là. Oui, bah excuse-moi, je suis un peu grosse. J'ai un peu du mal. Attends, je vais invoquer la lune sur eux, ils vont rien comprendre. Ouais, mais les attaque pas, ils sont gentils maintenant. Et on a eu les 1000 ennemis. Les pauvres. Mais tu les as tous détruits. Oh, les pauvres. Votre Altesse, pardonnez-moi, j'ai enlevé toutes mes forces, je ne peux plus bouger. Là par contre, tu vois, tu pouvais utiliser ta lune, hein. Bah écoute, je la ramoque, y'a pas un problème. Link, il est en train de pleurer dans son flacon, j'ai l'impression que je t'ai shooté dedans rien. Quand même. Ouais, bah je vais aller de l'autre côté, moi, hein. Tu t'amuses bien de ce côté, ok? On va faire pop tes bombes, allez, boum. Après boum, tout ce travail, je suis fatigué, je vous laisse le reste. C'est Midona, elle a dit ça? Oui. Elle est partie. Les conditions de défaite ont changé. Allez, c'est pas Zelda s'enfuir, mince, il faut pas que je te laisse t'enfuir. T'inquiète pas, pour l'instant. Mais t'as déjà commencé à t'enfuir en fait, puisque t'es parti. Il faut maintenant terminer l'émission, blablabla. Ouais, je pense que c'était le coffre de Lana. Du coup, oui, c'est le coffre de Lana. Ouais, je vais retirer vite le. Faut que j'aille retirer mon épée, vite!
Et en fait, quand on fait apparaître le coffre d'un personnage, mais si on n'a pas le personnage, ça fait apparaître un coffre normal comme ça. Gardien de la porte! Cette fois, c'est des vrais monstres! Éliminons-les avant et allons chercher l'épée sacrée! D'accord, Link? T'inquiète, Link, il est en train de pleurer. Oui, je sais, c'est pas ce Link-là qui a sauvé Termina de la lune, mais bon. Attendez, j'ai fait apparaître un autre coffre. Bah, y a peut-être, c'est peut-être une arme. Peut-être une arme, ouais. C'est l'épée de légende. On entendait quand même la grande fée rigoler. Oh bah, ça l'a fait rire ta blague. C'est ouais, c'est l'épée de légende. Oh, ça va, elle était pas difficile à trouver. D'ailleurs, je me disais. J'avais demandé à Milu, mais en fait, voilà, là, actuellement, je joue Zelda en tant que joueur 2, du coup, j'ai pu récupérer mon coffre pendant cette mission. Mais si vous êtes tout seul, il y a un mode de jeu qui s'appelle le mode... comment ça s'appelle déjà ? Libre. Et du coup, là, refaites les missions. Refaites les missions sans le scénario, et du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez, donc vous pouvez jouer avec Zelda dans cette mission pour aller chercher son coffre. Alors, je sais pas s'il y a le scénario, mais voilà, quoi. Bonjour les Ruby. Ouais, la forêt. Je vais pouvoir jouer avec la Master Sword. Mais attends, mais avant toute chose... Tu veux détruire tous les guibdos ? Ah, il y a des guibdos ? Bah oui. Pourquoi il y a des guibdos ? Je ne sais pas, mais... Oui, t'inquiète, je leur fais pop la lune dessus. Tu vas encore jeter la lune ? Bah oui. Quelque chose me dit que tu aimes bien la grande fée. C'est les... Oh, 51 KO, attention, hein ! Je plaisante pas, moi. Regardez, Link, il est sorti de sa bouteille. Il en avait marre, il a cassé la bouteille. Alors, est-ce que tu es digne de récupérer la Master Sword ? Regarde, plutôt intérêt. Pour pouvoir me battre avec deux épées. Eh, au moins, tu vois, ce Link là, il est pas comme les autres. Il voit pas la Master Sword, il la jette pas ailleurs sa précédente épée. Te voilà, sale morveux! Je t'avais dit que c'était ici. Oh, wow. Oh, cette épée est trop cool, elle peut repousser le mal! Hein, repousser! À affronter ICO. Tu vois, regarde, je me transforme en grande fée. Ah non, c'est bon, je suis. Ah ouais, je suis avec la Master Sword. Oh, trop bien! Pas changer d'arme comme ça en plein combat? C'est légal? Bah ouais, meilleure arme. Allez, je vais lui faire une grosse tornade de la mort. Oh, Link, il vole aussi! Ah oui, puis du coup. Ne le sens pas! Link, il peut charger ses attaques tornades. Ah non, ça, je l'avais déjà dit en fait, je crois. Mais ouais. Du coup, est-ce que c'est exactement le même gameplay que l'autre épée? Ouais, ouais, c'est exactement là. Mais je pense que c'est l'épée niveau 3 en fait. Non, c'est pas l'épée niveau 3. Si, c'est l'épée niveau 3. Non, c'est pas l'épée niveau 3. C'est l'épée niveau 3. Moi, je te dis que c'est pas l'épée niveau 3. Moi, je te dis que c'est l'épée niveau 3. Moi, tu verras, j'ai raison. J'ai 1100 KO, attention. J'en ai que 500. Il est où? Il est mort? Il est pas loin? Ouais, ouais, il a fui. Que je le vise, non? Je sais pas, blablabla. Allez, j'ai envie de refaire une tornade. Bon, il y a qu'un ennemi qui va aller. C'est quand même plus agréable à voir comme ça, le jeu. Hein. Parce que voir le jeu d'en haut... Oh, t'aimes pas la grande fée, finalement? J'aime pas trop la vue de la grande fée. Ah, il s'enfuit, c'est déloyal! ICO a rejoint le champ de bataille, il est au bout, ok, bah go. L'armée de la sorcière a reçu des renforts. Regarde comment je cours de façon trop cool, moi! Ne m'enfuis pas, je fais caper le renfort. Moi je cours de façon trop cool et je dois avoir trop mal au bras. L'armée des sorcières avance vers Zelda! Ah non, bon, t'inquiète, Zelda, je suis derrière Link! Derrière moi. Salut, Guibdo. Zelda se replie dans le temple de l'épée sacrée. Bah alors Je savais pas que t'étais comme ça, toi. Protégez Zelda des attaques d'ICO. Vas-y, du coup, vous avez pris les endroits, là. C'est gentil. Donc, ça prépare. Aïe. Oh bah tiens, t'es là. Allez, transformation Super Link. Elle est où, Zelda? Bah non, c'est pas le bon. Parce que j'aimerais bien l'escorter. C'est pas forcément battre ICO. Enfin, Icero, je vais dire Icero à cause de toi. J'aimerais bien aider mon autre moi-même, mais normalement. Ah oui, d'accord, elle est déjà là-bas en fait. Je pense pas que j'aurais pu. Ah, j'ai fini. Bah non, puisqu'elle a réussi toute seule. J'ai gagné. Elle est trop forte, cette J'ai gangé. Grand misérable. Regarde comment le bouclier il est en 3D. En 3D. Si vous voulez vaincre, Sia, rendez-vous au palais de l'esprit. Mais ce sera votre tombe. Oui, c'est ce qu'ils disent tous. L'épée de légende est extraordinaire! Avec elle, on peut pas perdre, c'est sûr! Voilà, je suis arrivée à la porte, moi aussi. Bien! En route pour le palais de l'esprit! Nous devons vaincre Sia à l'aide de l'épée de légende! Bon, point, point. Je danse, youpi! Vous êtes où?
On est à la porte de l'épée sacrée, de l'é... du temple. Bon, bah c'est pas grave, je suis à côté de Lana. C'était la vraie cette fois ? Ouais. Rapière scintillante ! Une épée légère comme une plume. Ah, mais c'est mon épée niveau 2 donc. Ouais. Oh, j'ai gagné une nouvelle grande fée. Parce que la précédente elle était nulle. J'en veux une autre. Alors qu'est-ce que tu veux que je te jette ? Voilà, celle-là. Non, oui. Celle-là t'en veux plus ? Oui, oui aussi. Celle-là t'en veux plus ? Oui. Celle-là t'en veux celle-là plus ? Celle-là aussi. Celle-là t'en veux celle-là plus ? Celle-là aussi. Celle-là t'en veux plus ? Celle-là aussi. Celle-là t'en veux plus ? Non, je la garde. D'accord. Celle-là t'en veux plus ? Tu peux la jeter. Celle-là t'en veux plus ? Allez, je laisse, c'est bon, tu peux vendre le reste, c'est bon. Ouais, on a gagné 10 000 zenny, 10 000 rubis. Ah, trop bien, on a eu du cuir de salamandre. De salamandre, blablabla. Impa ! Impa. C'est même pas Zelda ? Bah non, Zelda elle est à côté de Link. Oh. Non, mais je veux dire, pourquoi on n'a pas débloqué l'image de Zelda ? Et voilà. C'est encore Link qui devrait être premier. Et ouais. Et il faudra encore faire deux fois. Ils sont coquins, hein. Bon, allons chercher le coffre de Lana, je suppose. Attends, maintenant, du coup, on peut jouer n'importe qui, en fait, maintenant. Ah, ok, donc en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pas vrai. Oh, en même temps, je ne le savais pas. Mais du coup, vous êtes méchants quand même, ou pas? Parce que je vous ai tué, quand même, tout à l'heure. Bah, ils ont pas l'air de nous attaquer. Mais on peut les attaquer. Nous sommes à votre service et moi, je l'ai tué. Oh, je suis terriblement mauvais. Ouais, il faut que j'en fasse plein. Comme ça, je tue tout ce que... Ouais. Le coffre de Lana. Alors, Lana, qu'est-ce que tu vas avoir? Comment ça, on le sait déjà tout sur l'écran. Yeah. Sélection de chapitre. Un cœur de cœur. Ah, oh, ça fait comment... pas un cœur entier, c'est nul alors. T'as vu comment elle était contente de l'obtenir, son quart de cœur? Bah oui. Et voilà, c'est fini pour... pour la partie d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une prochaine partie de Hyrule Warriors. Au revoir tout le monde.